bonjour à tous les amis, on se retrouve sur Super Toxcart, épisode numéro 5. Épisode numéro 5, alors on pourrait continuer à se promener comme ça, mais je viens de découvrir une nouvelle fonctionnalité très sympa. Admettons que je vais aller sur celui qui est tout au bout. Voilà. On peut maintenant aller, en fait, avec la souris, on se téléporte en face. Boum! Voilà, et comme ça, c'est un peu plus rapide. Je vais aussi de refaire le fameux... jeu... Ah, j'ai baissé un peu mon volume. Ah là! Parce que je m'entendais plus parler. J'ai aussi refait le fameux Grand Prix pour jeune mon chat. Voilà, comme ça c'est fait. Parce que j'aurais voulu éditer mon texte et ça marche pas. Mon texte est corrompu, je sais pas pourquoi, il y a que le jeu qui arrive à le lire ou le bloc-notes Windows intégré avec Wine. Que j'utilise extrêmement rarement, Wine, mais ça peut être utile. Et par contre, JEdit par exemple est incapable de le lire. Enfin bon, c'est pas grave. On va se lancer sur STK Enterprise, le vaisseau spatial le plus rapide de toute la galaxie. C'est une magnifique zone. Je l'aime beaucoup. Voilà. Oh, c'est un suis le meneur. Alors là, ça veut dire qu'on doit suivre le type qui est devant. Et on doit pas. On doit jamais le dépasser. On doit jamais être dernier. Là, c'est excellent. Parce que j'ai des boosters, donc je vais pouvoir. En fait, il faut jamais être premier et il faut jamais être dernier. Donc l'astuce, c'est de me coller au fond. Oh mon dieu. Voilà. Alors, quand le timer arrive à zéro, le dernier se fait éliminer en fait. Ah ouais, je préfère mieux de... Voilà, et bien sûr, le meneur aussi peut vous faire des coups vaches. Hein. Voilà, alors Amanda a été éliminée. Celle... On va essayer de ralentir les autres. Ok. En fait, c'est drôle, cette truc me rappelle fortement, et c'est pas pour rien, c'est le... Il y a des... Ça me rappelle beaucoup les jeux en 3D de tir, hein, des FPS, style Xenotic. C'est tout à fait ce style de décor qu'on a. Oh, pourquoi c'est moi qui l'ai pris? Pourquoi c'est moi qui l'ai pris? Là, faut que j'arrive à éliminer ces saletés d'éléphants. Ah, parfait. Éléphants éliminés. Et j'ai gagné. Wouh! C'était presque trop facile. Franchement, en suite meneur, je suis pas un bon. Alors, ça fait plaisir de voir que je gagne. Ok, défi réussi. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a gagné? Un grand prix. Ok, jusqu'à la lune. Ouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, jusqu'à la lune. Ouh, voilà. Tiens, tiens. Ah, je peux... C'est nouveau, ça, le chariot de la mine qu'on peut pousser. Ah, c'est cool. Ça sert à rien, mais je trouve ça cool. Alors, on va... Ouais, par là, on peut rien faire pour l'instant. Il me manque 5 points pour faire XLR, je ne sais plus combien. Alors, on va aller voir. Parce que, qu'est-ce que c'est que juste là? Je pense qu'on vient de débloquer. Ou alors c'est... Ah bah, c'est le Grand Prix jusqu'à la Lune. On le fera pas aujourd'hui, je pense. Moi, j'aimerais revoir un peu les autres choses qu'on avait qui traînent. Ah, le malin de la colline noire. Alors, juste, c'est une course normale. Ok. Alors celui-là, il est assez sombre. J'espère que ça ira dans la vidéo. Normalement, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est beaucoup plus clair qu'avant. À une époque, je jouais comme un projecteur et c'était impossible sur cette carte-là sans être dans le noir complet. Alors on a un méchant de l'homme qui nous barre la route. Alors là, pour le coup, c'est une carte où il faut vraiment savoir doser le freinage parce que... Et les accélérations. Voilà, exactement comme je suis en train de faire, mais pas du tout en fait. Je ne garantis rien. Celle-là, j'ai beaucoup de peine. Ouais, oui, tic-tac. Alors, on va essayer de choper le premier. Ça coûte rien. Oh non! Bon, moi, je vais refiler ma bombe. Donc, j'espère qu'il va faire boum. Voilà. Ah, d'ailleurs, un petit fun fact. Tout à l'heure, quand j'ai joué avec... quand j'ai joué le Grand Prix pour débutants, le grand perdant était Tux, le héros de, entre guillemets, le héros du jeu, qui s'est retrouvé avec, il s'est retrouvé dernier à toutes les parties. Je sais pas à quoi ça tient, c'est assez marrant. Oh, la bada. Alors, on va essayer de se le faire.
Faut absolument que je raye. Voilà. Boum. Voilà, puis maintenant on va shooter derrière. Oh, ta bouche. Saleté. Saleté de saleté. Alors là, je viens de me planter, mais on me plantait. Même pas un des deux, non? S'il vous plaît. Laissez-vous faire. Laissez-moi vous apprendre à jouer. Ouais, alors si. Toujours un petit côté frustrant de voir un ordi devant soi. On sait qu'on est quasiment toute la partie. Et quand on fait des conneries pareilles. Pardon. Zut. Des bêtises. Ouais, c'est cuit. Je crois que c'est cuit. Ah non, 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 non. Bon, du challenge, challenge. Je suis deuxième. Ah ah. Ah bon, je suis deuxième, mais ça suffit. Ok, autant pour moi. Je trouve ça bizarre, mais bon. Ah, c'est peut-être parce qu'il me fallait juste deux moments de 2010. C'est possible. Et voilà, du coup, on débloque le phare et XL. Ah, c'est XR, pardon, 591. 591 pour vous, les Français. Et puis, 91 pour les Belges et. Je crois que c'est 91 pour les Canadiens. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des Canadiens qui me suivaient. Je trouvais ça fun. Alors, bonjour le Canada. Apportez-moi du sirop d'érable si vous pensez à moi. Alors, c'est quoi ce truc là? Ah, c'est celui qui est juste là. Ok, je viens de tourner autour de 10 minutes. Donc, croyons que c'était l'autre. Valley Luxembourg. Oh oui. Alors, celui-là, il est magnifique. Essayez, j'ai de nouveau pas lu les conditions. J'espère qu'on va réussir. Bon, y a pas de raison. Apparemment, c'est un jeu. Apparemment, c'est un jeu tout à fait normal. Bon. C'est un jeu normal, y a pas de temps limite. Trop facile. Enfin, je dis ça trop facile. Mon ancien coloc m'explosait systématiquement sur celle-là. Ça en devenait totalement rageant. C'est assez drôle parce qu'il joue. Il utilise. Quand il joue, il n'utilise pas du tout le dérapage. Et bizarrement, il a toujours réussi à gagner sur celle-là, quasiment. Je te salue si tu m'entends. Mais. Voilà. Ok, vraiment très 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 belle course. Hein. Moi, je trouve ça juste magique. Surtout en plus avec un écran comme le mien, qui a des couleurs absolument incroyables. Qui sont d'ailleurs des couleurs aussi. En principe, aussi proches que possible de celles voulues par les gentils contributeurs au jeu. Alors. Ok. Oh my. Bon, je suis pas mal en avance sur les autres. Oui, du coup, j'ai pas mon ancien coloc, alors c'est facile. Mais autrement, faut pas croire. Hein. Vraiment, je me serais fait exploser totalement. Il y aurait eu l'ordi derrière, mais. Ah, capitaine, on a jeté l'encre. Alors. Oui, je le dis 12 minutes après le moment où j'ai jeté l'encre, mais c'est pas grave. Mais ce moteur graphique est magnifique. Oh, oh ça arrive. La petite musique est très sympa, très relaxant comme ça. Ça va très très bien dans le thème. Allez, je fais ça. Ah, il y a 3 tours. Autant pour moi. Je t'ai dit, ah chouette, c'est la fin de mon. C'est la fin de la partie et je vais juste pouvoir passer. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais pour les parachutes en fait, je peux les angler très facilement en plantant sur les freins. Alors l'inconvénient c'est qu'on perd de la vitesse, mais ensuite on est moins ralenti dans la durée. Alors là. Hashtag truc inutile, c'était pas mal. Allez, on chope. Ouais, une nitro sur 3, ouais, vas-y. Vas-y, plante-toi. Mais oui, tic-tac. Enlève-toi la tic-tac. Voilà. Moi, je rêverais presque de pouvoir monter les montagnes qu'on a derrière. Mon front. C'est très très alpin comme décor. Ok, bon bah j'ai le même qu'avant. Pff, il sert à rien en fait. De toute façon, je suis tellement devant que. Ah bah d'ailleurs, on a vu une boule qui me passait derrière là au fond. Voilà, c'est bon, c'est loin, c'est fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué cette fois?
Ah, ça fait plaisir d'avoir autant de succès d'affilée. En fait, là, chaque fois que je réussis une course, j'en débloque deux. Alors, c'est dans les plus difficiles, évidemment, hein. Notamment au mini-golf, qui est un magnifique virage de la mort. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Est-ce que c'est mini-golf, justement? Ah ouais, bah ouais, c'est mini-golf. C'est une course normale, il faut juste être premier. Ok. Ouais, en fait, l'histoire du manoir tout à l'heure, c'est que j'étais pas premier, mais c'était pas grave parce que j'avais un temps limite. Et j'ai réussi à être en dessous, donc. J'aurais même pu finir dernier dans ces temps-là, c'était bon. Ouais. Oh, alors j'avais jamais vu ce tunnel comme ça. Ah, mais. Oh oui, ah ouais, alors. Là, il y a déjà un virage pas terrible. Enfin, pas terrible dans le sens très très dangereux. Oh la balle! Ok, alors je découvre. Hein. Je redécouvre cette piste parce qu'apparemment elle a été un peu changée. Ouais, alors ça doit être là, je crois, le fameux virage de la mort, mais il a été complètement modifié. C'est presque dommage parce qu'au niveau pilotage, il était vraiment top. Mais bon. Ouais. Mais globalement. Mais oui, c'est bien. Ah, mais taille-toi! Piste type bruit là, ouais. Mais il est un peu de ce genre-là en fait, c'est une épingle très serrée. Wow! Mais pourquoi je mange ces murs? Ça me. Je ne veux pas manger du mur. Je ne veux pas manger les murs. Alors remballez vos fraises! Aïe aïe, je suis troisième, il me reste encore un tour pour finir. Allez, on commence. Oh non de Dieu, pardon. Zut. Non, on a un petit bonhomme. Non, on a un petit pétard en plastique. Soigner le longage. Tout un programme pour le pangolin. Voilà, bon, on a réussi. Tranquille. Ouh, même pas 2 minutes en plus. Oula. Regarde, c'est bruit d'un coup là. Tiens, on passe à travers là. Bon, pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de gagner de plus, hein, ouais. J'ai juste gagné des points, mais... Parce qu'on a gentiment toutes les pistes qui sont débloquées. Je pense pas qu'il y ait encore tout. Déjà, ne serait-ce que le manoir de Nolok qui est pas encore débloqué, mais... On a déjà un monde. Bon, on va se téléporter un coup. C'est quoi celle-là? Je me souviens même plus. Ah, tutoriel. Bon. Ah non, c'est celui-là. C'était déjà quoi, celui-là? Ouais, bon, l'illustrie. Ah, ma bête noire. Ok, donc on a encore deux courses à débloquer. Hein. On va tenter la moins l'illustrée. On va être fou. On va tenter. La dernière fois, j'avais mangé la banlieue. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ira mieux. Et puis, quoi qu'il en soit, on s'arrêtera là, je pense. Parce que le temps tourne. Et j'aime pas vous faire un épisode de plus de 12 000 heures. Je pense pas que c'est très intéressant de regarder 12 000 heures de suite. De STK. Quoique, devant les frustrations, les... Oh merde. Alors là, on va jouer comme ça. On va essayer de choper de la nitro sur le premier tour sans trop l'utiliser. Et après, on va envoyer la sauce. Oh mais non, mais la mule là. Bon, bah, je vais quand même booster un coup l'accélération. La mule est une tête de mule! Bah, c'est pas lui, hein, mais. Voilà. Là, j'ai vraiment envie de manger du méchant. What? Comment je me loupe à une distance pareille? Oh, mais. Ça va être la honte intergalactique, là. Mais oui, mange du. Bon, toi, au revoir. Alors, quatrième. Bon, il faut vraiment que je me bouge mes fesses. Je pense que c'est faisable. C'est faisable, mais ça va vraiment impliquer. Ah, ça c'est parfait. Avec ça, je peux shooter du monde.
Mais pourquoi je mange comme ça du... Tiens, ça t'apprendra à essayer de me dépasser. Alors là, j'aurais pu m'abstenir, j'aurais pu garder mes gâteaux. Je préfère le gâteau, il est beaucoup plus efficace, hein, puisqu'il tire droit devant lui. Il tire pas droit devant lui. Voilà. Bon, au moins, il nous reste un tour, on est deuxième. Donc c'est un tour qui va bien commencer, d'autant plus que je suis passé premier. Et bien sûr, ça va être le moment où je vais prendre une balle de basket avec ma chance. Enfin, on va dire que non, hein, mais... Alors, virage, virage, virage. On va sortir de ce virage correctement. Voilà, on prend le suivant. On utilise au maximum les étincelles pour le booster. Ah, je crois que j'ai entendu une balle. Je crois que j'ai entendu une balle. Faut vraiment que j'arrive à me booster un coup. What the... Je déteste ce muret. C'est en fait pour ça que je n'aime pas celle-là. C'est le... ce petit mur-là, je le trouve très méchant. Et... Après, il fait partie du jeu, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que des fois... Oh là là, comment je mange les barrières! Bon, au moins, c'est fini, c'est réussi, on est soulagé. Ok, bah du coup, on a eu que des succès, hein, pour l'instant. Ça me donne envie d'en refaire une. Ah, il y a encore un groupe qui est libéré. Alors, je vais voir si je peux en retrouver une. Ah bah, il y a XR500 des broutilles, là, qui était juste là. Ok, c'est sympa. Alors, on va y aller. Et puis, tant pis, j'avais dit que c'était la dernière. Bah, je vous en fais une de bonus, parce que voilà. C'est rouge. Ramasser de la nitro. Oh mon dieu. Je dois ramasser des masses de nitro. Et bien sûr, je parie que j'ai un temps limité. J'ai 2 minutes pour ramasser toute la nitro dont j'ai besoin. Et bien sûr, c'est quasiment le maximum de nitro possible. Hein. On va voir ça. Alors, je le loupe là. On va voir si on arrive. Hein. En fait, il faut que je ramasse des chewing-gums et que je les balance par terre. Quoique, parce que ça monte assez vite la nitro. Mais oui, tic-tac, c'est bien. On va... Voilà, on gicle la tic-tac. Ouais, ça va, il y a assez de nitro, hein, un peu. On va presque se payer le luxe, on utilise un tout petit peu. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, j'ai lâché un chewing-gum. Je me suis protégé en plus de prendre des dégâts puis ralentir. Ah, c'est en 2 tours. Ah, alors faut vraiment pas se louper. De toute façon, j'ai le temps, hein. Bon, ça on peut l'utiliser au cas où. Voilà, là il y en a un. Oh, mercredi. On va continuer. Ok. Ouais, je pense que ça va juste jouer. Je pense qu'on est bon. Oh non, et il passe dans le trou. Aïe 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 aïe. Il me faut encore une nitro et j'ai 20 secondes. Oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai pas ce qu'il me faut. Mais allez, retourne en arrière. Connerie. Bon, bah c'est bon, je suis cuit. Ah! Je viens de louper. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah voilà. C'est perdu. C'est perdu. Je me suis fait avoir juste sur la toute fin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fera avec. Pour le coup, j'ai bien envie de recommencer, mais ce sera pour la prochaine fois. On va quand même retourner là, hein, juste pour fun. Ok, alors... voilà, ok, alors on espère pouvoir... Bientôt... Pardon. On espère bientôt pouvoir voir ce qui se cache derrière ces portes, hein. Le fameux manoir de Nolok. Château, la forteresse, pour aller libérer le gentil gnou. On verra ce que ça donne. J'espère pas... J'espère qu'on va pas se replanter, mais normalement, ça devrait jouer. On va vraiment pas... Allez, tiens, on fait valdinguer le machin, juste pour le fun. Ok, et puis, sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit un pouce bleu, un pouce rouge, ou...
ouais, bah, un petit commentaire. Bref, voilà, vous avez compris. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.